Eh bien donc, je vais vous montrer, je vais vous présenter une des chambres qu'on propose dans l'auberge de jeunesse. Donc, vous arrivez là dans une chambre qui est faite avec des... c'est un dortoir de 6 lits, comme vous pouvez le constater. Lits superposés, chacun des lits a ses propres, attributs, une petite étagère, une veilleuse. Vous avez aussi également des espaces de rangement qui se situent sous chaque lit pour les personnes de manière individuelle. Un sanitaire juste ici, de la douche dans la chambre, et puis des espaces de rangement sur le milieu. Alors, le dortoir de 6, c'est vraiment ce qui fait que les gens peuvent se rencontrer, hein, bien évidemment. C'est pas forcément ce qu'on loue, je dirais, le plus. On a d'autres formats de dortoirs qui sont un petit peu plus petits, mais c'est vrai que sur des grands formats de dortoirs comme ça, on est sur un tarif qui est très abordable et qui fait bien évidemment partie et œuvre dans cette notion de tourisme social dans laquelle les auberges jeunesse peuvent fonctionner. Une auberge de jeunesse, c'est souvent un bon souvenir de vacances et pour certains, le seul moyen de voyager sans que ça coûte trop cher. Le tourisme social faisait son colloque à La Rochelle pour parler des auberges de jeunesse, mais aussi de toutes les autres structures d'accueil et associations qui croient très fort aux vacances pour tous. Car les colos, les lieux d'accueil pour les personnes handicapées et toutes les autres formes de tourisme solidaire sont aujourd'hui menacées. Mode d'emploi vous explique pourquoi. Nous, l'association que j'anime sur la Nouvelle-Aquitaine, on travaille à l'accès aux vacances des plus éloignés. Alors qu'on soit en situation de pauvreté, de handicap, et quel que soit le type de handicap, quel que soit l'âge, voilà, c'est faciliter la construction d'un projet vacances. Donc ça fait partie de cette diversité du tourisme social, où d'un côté il y a des opérateurs de tourisme, des hébergeurs, et puis de l'autre côté il y a des personnes qui font à la fois du travail social, à la fois du tourisme, et donc on est sur ce champ-là. Une grande diversité d'acteurs souvent hérités de l'utopie d'après-guerre, où l'on souhaitait de manière solidaire que chacun ait accès à ce bonheur simple des vacances. Un secteur historiquement soutenu pour lui conserver sa dimension sociale, mais qui a prouvé un impact économique non négligeable. Alors, le Conseil régional soutient deux piliers majeurs. Il y a ce qu'on appelle l'aide à la pierre, c'est-à-dire les opérations de modernisation des établissements. Un établissement type village vacances, auberge de jeunesse, centre international pardon, de séjour qui va faire des gros travaux de rénovation, on va l'accompagner. Et l'aide à la personne, c'est donc l'aide au départ. Là, on n'accompagne pas directement les publics, mais on accompagne toutes les structures qui organisent des départs groupés ou qui accompagnent les jeunes, les familles dans leur départ en vacances et dans l'organisation de séjours collectifs. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 175 établissements du tourisme classés tourisme social et solidaire. Ça représente à peu près 40 000 lits. Et donc un nombre important de retombées économiques. Et l'estimation qu'on a pu faire, c'est qu'environ 1 euro de subvention publique au tourisme social et solidaire génère 8 euros de retombées économiques sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un chiffre qui suffit à nous convaincre, si besoin était, de poursuivre ces accompagnements au-delà du cercle vertueux et de l'objectif de ces accompagnements. C'est aussi un tourisme qui génère des retombées économiques. On a tendance à croire que parce que gestion vertueuse, raisonnée, et pas forcément pour faire de profit, on ne génère pas de retombées économiques. C'est faux, on génère des retombées économiques tout en favorisant le départ en vacances de tous les publics. Mais à l'ordre du jour des débats du colloque, le constat que les aides publiques, notamment de l'État, ont considérablement diminué, ainsi que les nombres de vacanciers, notamment en colonies de vacances, classes vertes, etc. Un secteur qui, à terme, pourrait être menacé, notamment par des questions de foncier et d'exigence de rentabilité. C'est l'ordre du jour un petit peu de ces colloques qu'on organise chaque année, faire le bilan. Il y a la question du foncier. On est sur des établissements qui sont pour certains extrêmement bien situés, qui ont des modèles économiques parfois fragiles. Ils ne sont pas là pour faire des profits. Par contre, ils ont des localisations géographiques très intéressantes qui font que si ces établissements-là sont vendus, derrière, ils seront rachetés très rapidement pour y faire une résidence de luxe ou un hôtel 4 ou 5 étoiles sur la côte. Et donc, pour ces établissements-là, la tentation peut être grande des fois pour les propriétaires de se défaire de ces établissements pour faire du profit. Donc comment est-ce qu'on maintient ces établissements? C'est un des enjeux. Au niveau des acteurs, des difficultés, peut-être au niveau financier aussi. Parce qu'il va falloir aussi qu'on réconcilie un petit peu impact social et rentabilité économique.
Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, il faut qu'on vive aussi, nous, les acteurs. Et puis, c'est de plus en plus difficile parce que des choix politiques où, voilà, où on peut effectivement avoir peut-être moins d'aide ou pour partir en vacances ou moins d'aide pour nos équipements. Mais après, c'est le temps du changement. Il faut qu'on trouve d'autres alternatives pour faire face à ces difficultés. À demi-mot, l'espoir d'un essor du mécénat d'entreprise en soutien au secteur, une solution qui n'enthousiasme pas forcément tous les acteurs. La question du mécénat, c'est de montrer qu'une politique publique ne fonctionne plus. Mais je dis bien, ça n'engage que moi. Laisser à une personne ou à des personnes la possibilité de choisir l'orientation de son financement pour telle et telle action, ça me préoccupe en tant que citoyen et acteur de cette République. Après, s'il n'y a pas le choix, qu'on reste sur des financements uniquement liés sur le régalien, la justice, la police, l'éducation, bien entendu qu'il va falloir trouver d'autres solutions. On ne peut pas, entre guillemets, assigner à résidence une partie de la population. C'est un terme qui est utilisé régulièrement, l'assignation à résidence. Et la question des vacances, c'est justement de sortir de l'assignation à résidence. Donc on voit bien qu'on dépasse la question purement économique. On dépasse bien entendu la question du tourisme pour revenir, pas que sur du social, mais pour revenir justement sur une vision d'une société que l'on a envie d'avoir. Et la question vacancière, c'est une société apaisée. Quand on revient de vacances, on revient dans quel état ? Pas stressé, on revient, on a rechargé ses batteries. Et c'est valable pour tout le monde. C'est ça ce que l'on fait. Voilà, c'est tout simplement. Et les personnes qui partent se disent « je vais être comme tout le monde » dans cette fameuse société où être différent est comme fondamental. Être comme tout le monde. Alors très clairement, la question de la paupérisation, elle est effective. 400 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté sont annoncées en 2020. Oui, une augmentation. Le sentiment de relégation qui n'est pas forcément en lien direct avec les modèles économiques. Ce sentiment de ne pas pouvoir. Et pour faire assez simple, c'est cette question des gilets jaunes. Personnes qui ont des salaires petits, qui ont le sentiment de se priver de tout, dont les vacances, qui aiment toujours le facteur. Enfin, les vacances viennent généralement en deuxième position de ce sentiment de relégation. Alors oui, il y a un enjeu là, très clairement. Et puis il y a une chose aussi simple, c'est comment pourrions-nous nous autoriser de partir en vacances, sachant qu'on nous interdirait aux autres. C'est un vrai sujet, et d'un seul coup, on rentre sur un sujet qui est fondamental, qui est lié au triptyque républicain. La liberté, l'égalité, la fraternité, ben, les vacances c'est ça, libre de partir, retrouver les autres, être comme tout le monde, et retrouver les autres, la fraternité. Une vision de la société où le tourisme social n'est pas le tourisme des autres, mais le tourisme pour tous. Nos joyeuses colonies de vacances, en cette période difficile, voilà qui devrait faire rêver au-delà de ceux qui sont dans le besoin.